En campagne pour la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Denis Kamba Chimbumbu, patron sortant de cette grande structure, se veut être un artisan de paix, de cohésion sociale selon la vision du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, acteur de paix et sauveur du Congo. C'est à l'espace INCA que Denis Kamba a donné rendez-vous aux différents jeunes issus de plusieurs secteurs. Tour à tour, des messages de paix ont été lus par les différents membres du Conseil national de la jeunesse, du président honoraire, de la vice-présidente du genre, de la présidente du Parlement des jeunes, les jeunes de plusieurs structures universitaires, les confessions religieuses, la Fédération des élèves et étudiants du Congo, les jeunes des œuvres, plusieurs mouvements patriotiques pour ne citer que ceux-là. Tous ont tenu à répondre à l'appel de Denis Kamba pour l'écouter. Le message centré sur la paix a été abordé en plusieurs sens. Ensemble avec toute la jeunesse congolaise, la jeunesse universitaire, la jeunesse des œuvres, la jeunesse ouvrière, la jeunesse des confessions religieuses, nous soutenons l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République d'instruire la SENCO pour que les Congolais se rencontrent en pourparlers entre ceux qui ont pris part au dialogue national et ceux de l'opposition. Nous encourageons la SENCO de poursuivre ce travail important pour la paix, que la paix revienne très rapidement au Congo. Et nous exhortons la classe politique d'avoir pitié de tous ces jeunes, que la classe politique puisse mettre devant l'intérêt général et de côté tout intérêt partisan et égoïste. Nous n'avons que ce seul Congo. La jeunesse congolaise a besoin de la paix pour la reconstruction de notre pays.